Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon cher compatriote d'aventure, Gallius. Gallius, exactement. Ça va bien ? Ça va super bien. Écoute, moi, je suis mais ébahi par ce jeu, en tout cas. Ouais, non, on a découvert dans l'épisode bonus, comme vous avez pu le voir, c'était un bonus, ouais. Les raids. Et j'étais agréablement surpris par la manière de faire, en tout cas, comparé à Pokémon Go, on voit qu'il y a une évolution quand même, s'ils ont pris l'idée ouais. sur Pokémon Go, ça a évolué de ouf. Et franchement, ça donne envie en fait de spammer les raids. Enfin, moi, je trouve que c'est ah, bah, surtout que les violets. Surtout les violets, les visiblement, si c'est les formes de Galar. Parce que du coup, il y en a. Je sais pas combien il en aurait de formes de Galar disponibles dans ce jeu. Peut-être on une bonne cinquantaine, hein, je sais pas. Peut-être, waouh, 50, ce serait énorme. Bah, je sais pas, imaginons, ils en piquent 50 sur 300. Ça va, tu vois, ça fait un petit. Ouais. Bon, écoute, on va moteur B là. Moteur ouais. By, moteur B. Pas de soucis. C'est parti! Logiquement, on s'est dit que c'était un petit peu la ville qu'on a vue aussi en trailer. C'est un petit peu peut-être la première ville, la première arène, qui sait? Ah, moi je pense. Tu penses? Oh là là! Oh, ce clocher! Ça fait vraiment la zone industrielle de l'époque. En Angleterre. En Angleterre. Ah, peut-être là qu'on va rencontrer Meltan. Oh, regarde ce qu'il y a là. Ouais. Mmh. Ah oui, il est là l'arène, regarde. Ah ouais, au fond. Oh, t'as vu le mec devant? Ouais. Il y a effectivement. Ah, c'est direct devant nous, hein. Alors, ouais. Attends, c'est grand ça. Le mec de Galar est un véritable héros. Ça me rappelle un petit peu. Bon, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais Volucité. Ah. Coucou. Tu fais Seigneur? Vas-y. Vas-y, je le fais. Vas-y, ma belle. Je l'aime bien elle d'ailleurs, hein. Moi j'aime beaucoup. Ouais, elle est stylée. Elle a du caractère. Alors les terres sauvages ça en jette hein, mais vous devez être lessivé ton équipe et toi, faites donc un tour au centre Pokémon. Y'a un truc qui devrait t'intéresser maintenant que t'es dresseur. Ah regarde à gauche la pub, hein, tout qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Je sais pas, avec son toutou là. Ah, un Infotisma est disponible. Est disponible ou indisponible? Disponible. Ok. Ton système d'information très pratique pour les dresseurs. D'ailleurs on peut aussi s'en servir pour personnaliser ses cartes de Ligue Pokémon. Tu devrais essayer, c'est marrant. Tiens, elles sont dans une. Une carte. Bah, pour l'instant, on a. Ah, la carte. Ah, c'est ça les sticks. Non. Les cartes. C'est ça les cartes. Peut-être. Non. Non, c'est la carte spéciale. Mais si, c'est les cartes qu'il y a justement qu'on peut échanger. Oui, voilà. C'est cool, un truc de personnalisation. Je trouve ça bien. Sympa, sympa. T'inquiète pas, je vais te faire visiter. Non, mais ça veut dire qu'on peut en avoir, on peut en échanger avec les autres. Genre avec toi, je peux en échanger une. Du coup, ça permet de faire un peu de. Du social entre les gens, quoi. Ouais, ouais. Ils changent les cartes. J'oublierai jamais l'excitation de mon tout premier combat sur le terrain du stade. Là, par contre, tu vois, c'est un remake de la musique des premières générations. Oui. Tintin. Ouais, de toute façon, là, dans tous les jeux, on a cette musique un peu modifiée. Cette équipe de choc. Et du coup, je vais te poser. Parce que ça marchait pas avant. On voulait faire la boîte, mais. Ah oui, est-ce que ça marche là alors? Bah du coup j'accède directement. Non, Tobino, vous pouvez pas utiliser les Tobino mais. Mais ils disent favori Y mais je comprends pas. Pas compris. Bon. C'est quoi ta surprise alors? Bah la surprise c'était les cartes. Ah oui, c'est vrai. Alors le super dresseur qui a traversé les terres sauvages, tu te souviens de ce qui t'amène à Motor B, n'est-ce pas? Ah bah oui. Le défi des arènes, exactement, la cérémonie d'ouverture a lieu demain. Ah c'est genre ok. En gros on est quand même sur une base de compétition qui est organisée de temps à temps. Ouais. Et si tu veux te mettre la ligue il faut que tu participes temps à temps. Alors qu'avant c'était genre YOLO, tu fais ce que tu veux. Elle se déroulera dans le stade de Motor B. Pour t'y rendre ce n'est pas compliqué, il suffit de prendre l'ascenseur qui se trouve au bout de la rue principale. Ok, ça a l'air simple. Sur ce je te laisse, je vais en profiter pour faire un peu de shopping. N'oublie pas d'aller t'inscrire au stade. Ah oui, faut qu'on s'inscrive. Comme dans la ligue Pokémon à l'époque, Sacha il faisait ça, il s'inscrivait. T'sais. Ah oui. Ouais! Ah oui, c'est vrai! Comme s'il avait les badges. C'est vrai, c'est vrai! Alors! Ce sont les Pokémon qui ramassent le courrier et placent dans cette boîte aux lettres. Oh, il y a tellement de trucs! On peut écrire la boîte, on peut écrire du coup des mots. Mais on peut pas rentrer là-dedans. Ah, la musique! On me rappelle un petit peu Détective Conan, moi. Non, Volucité, tu sais pourquoi? Parce que les gens ils marchent sur le côté. Ah oui. Comme ça, automatiquement. Il y a un resto là. Ils sortent de nulle part. Café de combat. Merde. Je voulais faire un truc, il m'a dit oui.
Attends, je bats le Josh le barista. Vas-y, vas-y, je me change. Moi, moi je suis sur la à gauche plutôt la rue. D'accord. Ah, ça coûte cher quand même, hein. Ouais, c'est pas donné. Ah bah tiens, ça va, c'est pas non plus le Pokémon épique du game. Ça a plein de trucs. Happy Trailer. On est sur quelque chose de quand même très léger. En fait, il m'a dit si tu veux participer, tu peux gagner un objet. Enfin, c'est pour ça que je parle un truc. Donc j'ai fait vas-y. Quoi. Ouais. Il y a des marques pour les habits. C'est trop marrant. Style des vraies marques? Bah non, pas des fausses. Des fausses, mais. Ok. Oui, genre ils ont créé un univers quoi. Je sais pas quoi prendre. Je kiffe trop. J'espère qu'il évoluera un peu ce qu'il est. Donc évidemment, on sait pas trop. Toujours, on sait pas hein, les évolutions. On essaie de pas. Ah oui. Regarder quand on va sur Google Images pour faire les layouts, c'est un supplice pour pas tomber sur les évolutions. Et pour l'instant, on s'est pas fait spoil. Donc ne spoilez pas en commentaire évidemment. On va découvrir ça en temps et en heure. Exact. Du coup, je ressens quoi? Une fraise en sucre. Tout ça pour ça. J'ai pas comme quand on le donne à un crémi, je sais pas ce que c'est un crémi, ça sera un Pokémon. Il lance de bonheur. Ah oui, ça doit être le Pokémon bonbon, il y en a un. Ouais. Vas-y, ouais, je prends ça. C'est horrible. Ah, tu changes de pantalon? Ouais. Bon, les chaussettes, on les voit pas, on s'en fout. Les bottines. Bon, elles sont trop chères, parce que c'est. Ah, le sac, on peut enfin changer notre sac. Avec une autre valise d'une autre couleur, hein. Génial. Allez, la casquette, je change. Oh, il peut dynamaxer le Onix. Lui, il le dit. Il doit être énorme, hein. J'ai fait un long voyage depuis Alola, rien que pour assister au défi des arènes. Oh, ils font un cross région. Mais non. Enfin, dans le sens, ils gardent. Est-ce que ça serait un remake de Soleil et Lune dans le prochain? Il y a beaucoup de trucs, quand même. Moi, je me suis mis à la mode, j'ai pris un pantalon. Comment on appelle ça? Ouais, comme les kilts écossais là. Une paire de bouchons audio, c'est quoi ça? Cet objet incroyable permet de contrôler librement le volume sonore de divers éléments. D'accord. Ta 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 ta. Oh, il y a des trucs qui brillent là. Okay. Mais en fait, il y a. Ah oui, il faut prendre l'ascenseur. On le prend? Attends. Ou tu veux visiter les vinyles? Non, c'est bon. Je vais juste prendre le truc qui brille. Deux Master Ball, ok. Oh, vas-y, approche-toi du. Ouais, j'ai pris ça. Ah, c'est cool ça. Bah, en fait, je sais pas à quel moment on peut utiliser ça de manière sympa. Peut-être dans les hautes herbes. Peut-être t'entends les Pokémon mieux. Genre, si on en a marre de. Ah, pour les cris, ouais. Peut-être. Si on en a marre de la musique, on la baisse. Ah, ouais, c'est vrai. C'est quoi que tu as fait là? J'ai juste sur la. Ah, oui, ok. T'as vrai qu'au feu. Donc là, y a. Ou Dryol, on sait pas. Merde, ah, c'est toi qui le faisais? Non, c'est toi. Ah, c'est moi qui le faisais? Merci, mon gros. Ah, oui, tu faisais l'autre. Alors, donc, t'es là. Comment je ferais pour trouver le stat sans toi? Ah, il parlait pas. Ça allait pas avec ta forme? Moi, il parlait sans toi. Je vois que tu te montres digne de ma lettre de recommandation. Attends, j'ai un truc qui pourrait te servir. Voilà, tu pourrais faire tenir ça à un de tes Pokémon. Ah, ah, pour moi, c'est utile. Ah, oui, moi aussi. Bon, ah, bah oui, du coup. Malin. Quand même. Et maintenant, va vite prendre l'ascenseur, le stat de Motorby. Motorby, t'attends. Alors, attends, moi, je vais le mettre direct. L'objet, parce que ça vrai, en effet, ça peut être utile. Ça veut peut-être dire qu'on va avoir un combat. Je crois que ça pousse de 1,1, donc c'est pas mal. Déjà. Après, faut voir si. Enfin, si là c'est une arène d'un type précis, quel sera ce type. Ouais. C'est quoi, je cherche un objet. Oula. Soin. Objet. Mais c'est qui lui? Il est chelou. Non, pas toi, toi. Tadam! Tu aimes les Pokéballs? Balissimo! J'ai un cadeau pour toi! Trop de la bolle! Qu'il est bête! Ah, mais maintenant il y a des petits bonbons d'expérience! Regarde! Ça ah ouais! C'est des petits super bonbons! C'est marrant! Ah, mais ça on l'avait dans Let's Go! Les trucs XS! Mais et c'était tout. Pas pour le même. C'était pour le Pokémon! Chose. C'était pour les bonbons, mais. Mais si, c'était stats, pour hein. Les EV! Oui, voilà! Là, après là, je pense que c'est pour. Le bol masqué pour marrant, enfin, rien. Oh! C'est quoi ce truc? T'as vu? Mais on le voyait et il est. Ah merde, je suis accroché. Je voulais parler à l'homme Quillfish, mais. L'homme Quillfish. Mais. J'ai tendance à cliquer. Mais à bouger là. Manette. Ah, t'es devant, ok. Bah, il m'a pris. J'ai parlé à. Ah, de toute façon, y'a rien à faire, je pense que c'est ok.
Ah, le Quillfish te donne. Peut-être qu'il va dire un petit combat. Il te donne une Pokéball. Nabil, ah t'es là. Le stade de Motorby, c'est là que la cérémonie d'ouverture aura lieu. C'est retransmis à la télé, tu te rends compte? Nos mères vont nous voir. Nos mères. Bon sang, qu'est-ce que je dis? Le monde entier va nous voir, quelle pression. J'en tremble tellement, je stresse. Non, c'est pas du stress, c'est juste que je suis complètement surexcité. Viens, Gaïou, s'enfonce, le monde entier va apprendre vos noms. Il y a ce côté connu, pas connu. C'est sympa. Allez, on y va! Putain, il est grand. Ça, c'est un building, ça. Ça, ça a la gueule. Ah oui, on a les musiques des premières générations aussi. T'as vu ça? Il y a des challenges partout quand je pense que ce sont nos rivaux. Les challengers, je pense qu'il y a. Mais attends. Ah, challenger? Je pense, vu qu'il y a des qui en a partout. Enfin bref, allons nous inscrire. Oh. Pas le design, mais les styles. Mais c'est ça, moi j'ai le logo un truc du style. Le truc bleu marine là. Putain, il y en a deux, trois, un mec est dans manga alors. C'est quoi son problème à lui? Ah, je crois que c'est une femme. C'est pour le défi des arènes, vos lettres de recommandation s'il vous plaît. Donc on s'inscrit. C'est bon. Je trouve ça tellement plus logique. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quoi? Il y avait un petit Pikachu chelou. Vous êtes recommandé par le maître, moi aussi je suis recommandé par le maître. Ah oui, ok. Mais qui êtes-vous, des célébrités? Moi, c'est Nabil, je suis le petit frère du maître et je suis bien décidé à le détrôner. Très bien, si vous le dites. Et voilà, vous êtes tous les deux inscrits. Veuillez maintenant vous choisir votre numéro de dossard, il sera imprimé sur votre uniforme. Oh. 111. Moi je suis. Non! Ah. On peut mettre. 666. Le diable! Ouais, je pense deux chiffres seulement. Le numéro 666, je note. Mon chiffre préféré. Ah oui, challenger, t'as raison. Tout le challenger doit emporter un. Ah, c'est qu'on se demain? Peuvent loger au rose bouton d'or. Le rose bouton d'or. En attendant la cérémonie. Trop sympa le président de la ligue. Grâce à lui, on peut passer la nuit à l'hôtel gratos. J'avoue, c'est chaud. Trop bien. Il y a ce côté, en gros, vous faites ça, donc vous êtes invité. Ouais. C'est lui que je disais, le Pokémon. Ah ouais. C'est un Pécoco. Pécoco. Et ça, c'est tous les challengers. On dirait un... de la 7G, là. Non, pas de la 7G. On s'acquitte. Non, ah oui. Non, je sais pas en fait. Le fait là. Ouais, mais c'est Togo des Marou. Y'a rien à voir. Oh, la statue. Stylé. Moi je suis recommandé par la présidente de la ligue de en personne, tu comprends. Le défi des arènes, c'est le principe de la crémeuse. La crème remonte à la surface pendant que les déchets s'échouent au fond. Et moi je suis la crème de la crème. Alors hors de mon chemin et en vitesse. Hors de mon chemin. Et voilà. Ouais, lui ça fait genre qu'il fait le dark et tout et après ça sera notre pote. Tous les coups. Bon bah du coup on va se casser hein. Bah du coup on s'arrête là. Non, je... Très bien là. Donc il faut attendre demain? Non, il faut aller à l'hôtel. Ouais mais je pense que là. Bah si on sort à mon avis il va y avoir un truc. Excusez-moi, vous êtes bien Pyrrhus, le challenger? Genre, je viens à peine d'arriver, tu sais. Oui oui c'est moi. Le rose bouton d'or est dans cette direction. Ah si on est, suivez-moi. Oh yes, en plus on est escorté, non mais attends. Bah c'est amusé, on a carrément un truc parfait pour nous. À Galar, ils sont galants, hein! Oh là là! En vrai, c'est le côté English. Quand ils pensent. Ouais. Parce que à Kalos, c'est pas ça qu'on aura ça. Ah, oh, mais je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. J'ai appelé Kuta, heureusement. Je suis désolé. Ah, à Kalos, on aura pas ça. Hein. Non, on avait ça avec les majordomes et compagnie. Là. C'est vrai, il y avait le côté majordome. Ouais. Reposez-vous bien et ménagez vos forces pour les combats qui nous attendent. Ouais, c'est pas 5 étoiles, ça. Hein. C'est pas 5 étoiles. Ok. Monsieur Chiroz. Wow. Ah oui, c'est pas Chiroz. Stylé. Tu veux faire qui? Tu fais Sonia? T'as aussi un truc. Ah oui, un guerrier. Ouais. Ouais, je sais pas qui c'est. Ouais, je fais Sonia vu qu'il y a aussi Nabil. Vas-y. Salut les apprentis dresseurs, alors c'est bon, vous êtes inscrits? Bah, Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? J'enquête sur les mystérieux Pokémon de la forêt de Sonia. Ah, ça l'a intrigué. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée de fouiller du côté des légendes de Galar. Ça vous intéresse? Oh oui. Clairement. On va se baigner dans les... Waouh. Bah, déjà, c'est quoi ça? C'est une statue du héros qui a sauvé Galar, il y a très longtemps. Vous voulez connaître l'histoire? Oui, on va les détailler. Ouais, les détails. Il y a fort longtemps, un sombre vortex s'est matérialisé dans le ciel de Galar. Les gens l'ont appelé la nuit noire. Des Pokémon géants sont apparus un peu partout et ont commencé à saccager la région. Mais un jeune et valeureux héros, armé d'une épée et d'un bouclier,
les a tous vaincus. Cette statue représente le jeune héros de la légende. Mais on a vraiment très peu de sources fiables pour cette histoire, je vous laisse imaginer le casse-tête que c'est pour les historiens. À quoi ressemblait l'épée et le bouclier du héros? Mystère. Waouh. C'était quoi ce vortex? On ne sait pas plus. Beaucoup d'énigmes entourent cette nuit noire qui a assombri le passé de Galar. Ah ok, en tout cas le héros il en jette. Il devait être fort comme mon frangin. En tout cas tu vas avoir du pain sur la planche Sonia. S'il faut que tu fasses des recherches sur le vortex, les arbres et tout. Je suis sûr que Sonia va y arriver. Mais oui, je finirai bien par trouver quelque chose. Ah c'est sympa. Vous tombez à l'hôtel, c'est ça? Pensez à vous enregistrer à la réception. Enfin, ils ont l'air pas mal occupés là. Ça marche, et si on trouve quelque chose, on te prévient. J'aime bien parce que ça laisse le mystère. Il dit pas... Ah bah tiens, regarde ce qu'il y a là-bas. Oh. Tu vois pas? Attends. La team... quoi ça s'appelle? Ah oui! Yel, hein? Exact. Ah, yeah. T'as vu, c'est joli, l'épée et le bouclier, et une sorte de sphère dessus. C'est trop stylé. Alors... Tu leur as parlé? Ouais, juste au premier gros. Comment ça, y'a pas de réservation de la team Yel? Tu peux faire le Marseillais, tu vois. C'est déjà tapé tout le trajet jusque dans cette ville de Bourges pour encourager notre choupinette. Et en plus, il faudrait payer. Ah, oui, c'est vrai que c'est les supporters de malade, j'ai oublié. Ah, c'est les ultras. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça en plus. Va falloir nous battre. Du coup, tu fais les Marseillais, c'est bon, hein. c'est parfait. Ouais. Mais Yel, ça veut dire crier dessus. Ah, oui, c'est pour ça. Oui. En anglais. On t'a fait le lien direct. Ah, ils ont une drôle de tête. Qu'est-ce qui nous a sorti là? Une tour Eiffel. Cherche les embrouilles, c'est ça? Non, c'est les ukulélés là. Ah, les Uvela? Les Vuvuzela. Vuvuzela, voilà ça. On est venu jusqu'ici pour soutenir la meilleure dresseuse, ok? Et nous, on est les meilleurs des supporters, alors tu peux pas faire ton malin longtemps. Mais ça me rappelle vraiment la team Skull. C'est la musique, du coup. Ah, c'est des rockers. J'aime bien. Ah bah oui, le rock et tout, c'est anglais. Bien vu. Alors, Zigzaton. Vas-y, je fais aiguisage. Je me place. T'as aiguisage, j'ai jamais. Ah ouais, moi je l'ai. C'est vrai que ça leur va bien, ce Zigzaton. Ce Pokémon. Est-ce qu'ils auront que des Pokémon de Galar? Bah là, je trouve, du coup, pour les chouilles, c'est une bonne animation. Il y en a qui se plaignaient sur les animations de certaines attaques. Donc, ouais. Du coup, j'aime bien. Ok. Bon, c'était pas un verre à boire, mais... Ah oui, je sors des fois des petites spécialités. Pour moi, c'est un peu plus long parce que il tape pas très fort. Bah, il est SP en fait. Faudrait lui apprendre une XP. Il est quoi? Ah, bah, il t'a paralysé. Ah, c'est pas grave. Il est plutôt SP donc faudrait lui apprendre des attaques SP. Je sais pas si. Ah, il est SP? Ouais. Je sais pas si t'as vu un peu. Au niveau de ses stats. Ouais, mais je savais pas avec ma nature, je me dis. J'hallucine, j'aurais pas dû te provoquer. Ça va, bon, ils ont une tête aussi classique que n'importe quel team qu'on a pu croiser. Ouais. Je vais pas non plus trop en dire plus, mais. Ouais, en dire plus. Voilà. Les autres ils se sont fait rouler dessus, regarde derrière. J'avoue. De son sens et les autres dans l'autre sens. La team Yel me vengera. Ouais, en fait ils sont peints quoi. C'est pas la gueule. Yel. Regardez, on voit la meuf pour qui ils sont sur le sac là. Ouais. Tu le vois pas parce qu'elle le secoue, mais on le voit. Tu verras. Ah, ok. Si elle se balade, on le verra. C'est. Je sais pas si t'as vu la meuf, tu sais de qui ils supportent? Non? Non. Ok, tu verras. Elle a un petit peu un style gothique, tu vois. Ah, mais ils nous affrontent. Voilà. Ah, c'est tu vois. Elle! Ah, les ouais! Elle est stylée. Ah, ok, on les. Ah, bah tiens. Copieuse. On les enchaîne. Ouais, je parle. Ok, Jennef! Occupe-toi d'eux. Ok, on l'aime pas. Occupe-toi d'eux. T'as pas très fort dans le truc. Un petit combat là, ça aurait pas été trop fluide en fait. Hein. C'est vrai que le comment il s'appelle là, le petit là, Tyrogue. Débugant. Ah. Je pense qu'il serait pas mal. Ah, pour moi, je dis. Ouais, parce qu'on a pas mal de ténèbres et de normal. Ténèbres, on a quand même. Il y a pas mal de ténèbres, je trouve. Ouais. Effectivement. Ah, c'est à dire qu'on va se choper les 4. En vrai, ça me dérange pas. Hein. Tu crois? C'est trop beau, Bourges. C'est trop Bourges ici. On va voir, je vais voir comme ça si je te dis. J'attends parce qu'il y a la suite. Ouais, j'arrive. Poudreuse. Ouais. Ça va, il gère. En vrai, Momartic, il.
Il y a peut-être un... passe quand même, hein. Oui, oui, s'il oui. A... quand il évoluera. Mais attends, il évolue comment déjà? C'est par niveau? On fait même? Non, Pierre Nuit. Pierre Nuit. La Nuit? Pierre Nuit. Oui, non, mais justement, la Pierre Nuit, c'est bizarre. Ça ne disait rien. Mais il me semble, vu qu'il devient Spectre. Oui, il devient Spectre. Ouais. Je peux pas me battre sérieusement au milieu de tous ces gens de la ville. Eh bien, dis donc, c'est toute une aventure de s'enregistrer à l'hôtel ou quoi? Et maintenant, vous faites des combats Pokémon? Ah, c'est qu'on prend un duo là. Trop bien, ça me fera une séance d'entraînement. Bouge pas, Galou, je vais se mettre en équipe. Ah ouais, on va faire un duo. Trop bien. Enchanté, moi, c'est Nabil, je suis challenger et je suis bien décidé à devenir le prochain maître. Ah et ouais, c'est ça. 2 contre 2. Yes, premier combat, t'as un outil. Yeah. Ah, vas-y, on va se parler. Allez. Waouh. Du coup, ils ont les mêmes cadences là. Exactement, et ouais, ouais, les mêmes. Je vais pas trop démontrer ici. Oh, un petit mouton. Comme c'est mignon. Vas-y, je me place. Je vais placer deux fois. Oh, mon mouton, il a l'air solide. Mais quel type du coup? Normal, ouais, normal. Mon mouton, je pense. Mmh. Bon. Ouais, une bonne attaque. Ouais. Aboiement. Bah, mais oh. C'est pas mal. Un bébé. Ah, mon petit chat. Allez, on refait aiguisage. On se replace une deuxième fois après. On... ok, il se place. Oh, après, il tape plus fort. Parce qu'il est trop faible, il tape pas fort. Enfin, comme il bouge l'autre, il doit avoir une torticolis à force. J'avoue, il fait clouche, clouche. Après, de temps en temps, il souffle un peu. Est-il au test? Alors, c'est bon, les gars, je peux continuer. Allez, maintenant, c'est fini. Vive attaque! Allez, Coupilou, on le dégage. Regarde, tu vois là, il a 17 attaque SP et 18 en défense P. Ah donc, ouais. Toi, c'est en SP. Alors, ben, voilà. Garde à joue, c'est quoi ça? Le lanceur mange la baie qui tient, ce qui augmente beaucoup sa défense. Ah, oui, beaucoup d'accord. Attends, c'est qui? Ah, c'est le rond gourmand là. Non, c'est bon. Charge. Ça va, il fait des dégâts. Je pense que vu qu'il est type normal, c'est quand même un petit peu. Ouais. Après, je sais pas s'il évolue une fois ou deux, comme Red Watt. Tu le verras évoluer plusieurs fois. Ça rappelle un peu le Cabriolet. Ah, donc une fois. Qu'on voyait, ouais. Bon, on le voyait même en plus de au début du jour, on le voyait pas mal. Allez, c'est bon. Donne-moi de l'expérience. Lui, il doit être bon. Parce qu'il t'a pas fort là pour l'instant, mais quand il va évoluer, je sais pas quand. Ouais. S'il évolue, mais je pense que oui. Bon, c'est cool. Bon, ok, les seuls qui perdent l'histoire, c'est nous. Mais il se passe quoi ici? Ah, c'est elle. Zebi. Ah. Mais on l'a vu. C'est Rosemary. On l'a pas vu, Rosemary. Ah non. On l'a pas encore vu. Parce qu'on a vu le Pokémon, mais. On a vu le Pokémon, ouais. Alors, en fait. Je sais que vous prenez cette histoire de défi des arènes à cœur, les gars, mais. La violence, Zebi. C'est pas la solution, clairement pas. Elle est trop chouquinette. Ouais. Désolé, ils sont fans de moi. Ils se sont trouvés le surnom de la Team Yell. Ils se rendent pas compte qu'ils peuvent être relous parfois. Elle est très belle. Elle est très belle. Moi, je la kiffe. Les yeux verts, j'aime bien. Ça suffit les bêtises, rentre chez vous. Ils sont pas méchants, c'est juste qu'ils veulent me soutenir à fond, trop même. Ils ont tendance à provoquer les autres challengers. Je suis vraiment désolé, je m'excuse pour eux. Ah, trop cool, t'es une challenger aussi. Et t'as déjà plein de supporters, ils ont un nom et tout. Je trouve que ça sent bien la Team Yell. Oh. D'accord. Rosemary. C'est le 0661. Ils sont pas méchants, c'est juste qu'ils veulent me soutenir à fond trop, même ils ont tendance à provoquer. Parce que t'as dit avant. Ok, du coup on va se réserver, hein. C'est ça qu'il fallait faire de base. Ouais. Je souhaite un excellent séjour chez nous. Monsieur Pyrex, voilà. Ah, ça y est, on va pouvoir dormir, récupérer nos forces. Maintenant là, quand on tourne du coup. Du coup, là, on a découvert du miel. Ouais.
Ah, peut-être que vous aurez plein de duos là d'un coup. Hein, parce, qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, je sais pas. Là, je pense qu'on est presque à une bonne vingtaine de minutes, non? Bah attends, donc les challengers, c'est les champions d'arène. Challengers, c'est comme nous. Ah, c'est comme nous. C'est les mecs qui vont faire. Qui ont affronté le champion, j'imagine, ou les champions, j'en sais rien. Et que du coup, ou peut-être qu'on va devoir les battre eux pour arriver au sommet et battre le mec au sommet. Ah ouais. Ou parce qu'à la fin, il y a une ligue où on les. Comme dans l'animé. Ouais, voilà. On affronte nos challengers. Voilà, c'est ça. Oh, c'est stylé. Je crois que le grand jour est arrivé, notre histoire va commencer. Viens gagner ou s'en fait la course jusqu'au stade de Motor B. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais je sais pas s'il y a une histoire de 8ème de finale, de quart de finale. Oh. Et que du coup, on a après. Peut-être qu'il y aura peut-être plusieurs gagnants, tu sais, qui auront le badge. Ouais. Parce qu'ils ont différentes. Très chers challengers. La cérémonie d'ouverture va commencer. Souhaitez-vous que je vous accompagne jusqu'au stade. Bon, on y va. Hein. Bah, c'est pour nous, je pense, TP. Hmm. Peut-être. Ah oui. On va s'y arriver. Bon, c'est à deux pas à faire. On le fait maintenant ou on attend le prochain épisode? Bien, je suis entré. Non, mais c'est pas grave, mais. Ah, c'est bon. C'est combien de temps là? 26 minutes. On le laisse pas. On laisse pour le prochain, non? On laisse pour le prochain? Ouais. On laisse pour le prochain, c'est validé par la suite. Bien sûr, toujours en duo parce qu'on va pas vous laisser ça comme ça. Ouais, voilà, après, voilà. Après, on savait pas qu'il y a Team Yell qui allait popper. Et de toute façon, c'est aussi important à Team Yell, donc c'est pas dérangeant. On a découvert Motorbike plus la Team Yell. Et le prochain, là, on va faire le. On va taper dans le lard. On peut le dire? Ouais. On peut le dire. Donc, ne manquez pas le prochain épisode en duo avec Pyrux et Gaius. On se retrouve à très vite. Ciao.